fais ça à 4h du matin. À 4h du matin, tu te mets en haut de l'humeur. Lorsque le chant du premier coq crie coco, le temps que le coq va sauter le temps là, tu mets un dans tes narines. Le lendemain, net, n'importe quel garçon que tu veux, tu dis son nom. Il te marie. Si tu veux, ça met le taux, dis non de ça met le taux. Il va laisser changer des taux pour te marier. Je vois une ça là. Ça coûte 10 000 euros. C'est plus pour marier les hommes riches. Donc si vous voulez avoir un mari riche, avoir un mari qui ne fera pas femme, un mari qui sait faire l'amour, un mari qui n'a pas éjaculation précoce, avoir un mari qui est enduré au lit, avoir un mari qui sait s'habiller, qui sent bon, avoir un mari qui a une grosse voiture, voyez ça. C'est lui ça là qui fait ça. Lui là va te donner un mari qui sent bon, un mari qui a tumba tôle, un mari qui sait faire l'amour, un mari qui ne fera pas femme, un mari qui est enduré au lit, et puis un mari qui sent, qui a l'argent, qui a voiture, qui a maison. C'est ça qui est là. Je vois ça. C'est à Dieu d'Israël. Maintenant, pour toute personne qui veut planter les arbres en Israël. Ça dit quoi, mais les arbres, vous savez c'est quoi, là? Ça dit quoi, mais les arbres, vous savez c'est quoi? Pour toute personne qui veut planter les arbres, comment on dit ça? Les herbes. Ou bien on dit quoi? Toute personne qui veut planter feuilles de manioc, même, c'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui veulent planter les feuilles de manioc en Israël, contactez-moi. Je vais planter. Mon papa a champ de plantation là-bas. Oui. Ma maman, c'était terré en Israël. J'ai terré en Israël. Là où je vous parle là. Quand vous arrivez à Jérusalem, papier de Jérusalem là, c'est moi qui ai ça ici. Vous savez, où est le document? Je vous montre. Il est ici. Le papier de Jérusalem, c'est moi qui l'ai. Donc tous les terrains qui sont à Jérusalem, ça m'appartient. Donc si tu veux acheter ton arbre en Israël, tu veux acheter. Je sais pas quoi, ton terrain en Israël, là-bas, il y a arbre, source de vie. Ça s'appelle, tu ne mourras jamais. Moi, je vends ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Laissons les bavardages.